Et c'est l'un des grands rendez-vous de boxe de la saison. Une nouvelle édition du challenge Makounina se tiendra les 29, 30 et 31 mai à la salle de Fatawa. Et les poids lourds seront une nouvelle fois à l'honneur des boxeurs australiens et calédoniens sont attendus face à nos représentants. Désiré Teivao a participé à l'une des séances d'entraînement du Tefana Boxing Club. On a perdu, c'est pas grave, restez fiers dans la défaite. Ça veut dire qu'il faut s'entraîner plus dur et revenir plus fort. Et là, cette ceinture, ben, je compte la récupérer. Il sera l'un des deux poids lourds tahitiens à se frotter au boxeur australien lors de la 10e édition du Challenge Makounina. Le junior Yohan Veira a déjà une solide expérience. L'année dernière, il a livré une belle démonstration face à son adversaire néo-zélandais. Mais le jeune sociétaire de Tefana s'était ensuite incliné en finale. Cette année, il compte bien rectifier le tir. Déjà, en tant que boxeur, ça serait une fierté déjà. Fierté d'avoir la ceinture du Challenge Makounina. Depuis que je me suis inscrit et que j'ai vu le premier combat au Challenge Makounina de Harry Imei surtout, gagner la ceinture, et ben, je l'ai toujours voulu. Aux côtés de Yohan Veira, Tafeinina prépare aussi d'autres boxeurs pour cette édition du Challenge Makounina. C'est le cas par exemple de Zamora Nena, sa petite sœur, qui après 10 ans d'arrêt s'est remise à la boxe il y a 7 mois. Elle aussi combattra une Australienne. Un peu de stress, mais sinon ça va. Avec l'entraînement que je fais et avec mon coach qui est par derrière moi, ça ne peut que aller. L'objectif, c'est de battre l'Australienne. Bon, depuis le mois de janvier, on a mis les bouchées doubles. Les gamins s'entraînent du lundi au dimanche. Avec natation, sprint, course en côte, travail à la plage. Enfin, on a vraiment mis le paquet au niveau préparation physique. Pour essayer justement de faire en sorte de garder les ceintures du Challenge Makounina ici à Tahiti. D'autres jeunes talents de la boxe profiteront aussi de ce Challenge Makounina pour s'aguerrir. Rendez-vous donc à partir du 29 mai à la salle de Fatawa pour la première soirée de combat.